Bonjour à tous. Toujours hospitalisé à Nantes avec les grands handicapés, je m'associe en pensée à cette journée de rassemblement autour du mouvement Soulager mais pas tuer. Respecter la grande vulnérabilité et la désespérance qui s'y associe souvent est la responsabilité de tous. C'est une source de mieux vivre ensemble et de réconciliation avec nos fragilités et différences qui fondent notre humanité. Les soins palliatifs, chers au président de la République, sont porteurs du respect de la dignité humaine. Il ne faudrait pas que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, contenue dans la loi fin de vie, ne vienne contredire cette aspiration. Restons vigilants pour protéger les plus fragiles.